Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui petite vidéo sur un nid de frelons asiatiques. Je vais vous montrer où il est placé. Juste là. Regardez l'entrée. Voilà. L'entrée est juste là. Donc là je vais m'habiller, le propriétaire aussi va s'habiller et on va aller regarder ça. Bon, on est avec Fabrice, le propriétaire courageux, et on va aller voir ce nid de frelons et on est prêt pour le combat. Donc vous pouvez vous mettre là, moi je vais commencer à les voir. Donc vous voyez les dédés, ça arrive de là. On va essayer de repérer s'il y a le nid. Elle commence à sortir. Vous pouvez se tenir. Là vous pouvez marcher un peu. Regardez, on a trouvé le nid. Vous le voyez? Bon, il est bien caché. Hein, là on va mettre la peau. Je vais tenir ça. Voilà. Sensation? Impressionnant, ouais. Ouais. Vous voyez tout ce qui vole? C'est pour ça, dès que vous avez bougé, dès la moindre vibration, ouais, les frelons ils sortent. Donc là, ce qui va se passer, c'est que là, ils sentent le danger. Mm-hmm. Donc il y a des frelons qui sont arrivés de l'extérieur. D'accord. Donc ils viennent défendre le nid. Et dès qu'on va sortir, qu'on va laisser tout au calme, ils vont rentrer dans leur nid et ils vont se faire abattre. Ok. Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Donc aujourd'hui, une petite intervention d'un nid de frelons européens dans un grenier. Je vais vous le montrer. Voilà, il n'est pas trop gros. Mais j'ai filmé cette petite vidéo parce qu'il y a la propriétaire qui va venir avec moi, qui s'appelle Céline. Donc elle va s'habiller, moi aussi je vais m'habiller, et on va être prêt pour le combat. Alors voilà les Dédés, je suis avec Céline, courageuse. Bonjour. On va aller traiter ça, et on est prêt pour le... Prêt pour le combat. Pour le combat. Allez, c'est parti. Le nid est là. Tu peux te rapprocher. On va filmer un peu. Vas-y, tu peux t'approcher. Il y a du monde. Il est bien actif. Là, on va le poudrer. Donc après, on met la poudre. On laisse la poudre dedans, des frelons ils vont rentrer le soir, ils vont toucher la poudre et ils vont mourir. C'est quoi comme produit? C'est une poudre qui attaque le système nerveux en fait. Là tu peux rester là. Tu vas avoir des frelons qui tournent autour, je vais faire l'autre côté. Tu peux t'approcher, n'aie pas peur. Hein. Même de ce côté, reviens.
Tu veux venir, hein? Attends, on le voit mieux là. Oui, parce qu'ils ont pris la poudre. Hein. Ouais, voilà la forme qu'il y a. Oui, voilà, là il y a les galettes. Il n'y a pas, hein. Si on recule un peu, on voit les larves un peu. Tout ce qui est blanc, ah oui. Voilà, c'est rempli en fait. C'est des frelons prêts à sortir. Voilà. Alors, impression? Ouais, c'est intéressant. Regarde. On avait un sur toi. Mais je ne les trouve pas spécialement agressifs. Ils sont moins agressifs. Oh, il y en a. C'est moins agressif que l'asiatique, ça c'est sûr. Parce que ça va être plus brûlant. Ouais, il n'est pas gros aussi. Il n'est pas gros. Il a combien en gros là? Ouais, celui-là, il peut en avoir 200, 300. Ah ouais, ça ne fait pas du doigt. Hein. Ouais, après, ça tourne. C'est petit. Tu peux l'attraper. Hein. Coince-le, sinon il va sauter. Ouais, ouais, ils ont pas l'air d'apprécier. Là, c'est un survie qui part. C'est ça. Et là, ça fait à peu près combien de temps qu'ils sont installés? Là, une semaine. Ah, voilà, parce que je disais quand même, j'ai été visiter à ma famille il n'y a pas très longtemps, j'ai vu personne. Hein. Une semaine et il y a 200 bêtes. Ouais, c'est ça. Et là, en fait, il aurait grossi sur la partie là. Ouais. Ouais, c'est le début de la construction. Ça, c'est la laine de verre, ça. Ah. Et ça suffit après au niveau de. Comment? Au niveau de la quantité de poudre, en fait. Oui, ça suffit, ouais. Il ne faut pas beaucoup de poudre. Qui ressortent, ils ne vont pas crever ceux-là. En fait, tous les autres frelons qui vont arriver, là, le nid a été attaqué, donc de l'extérieur, sur le toit, il y aura des frelons qui vont arriver, défendre le nid. Et après, quand on va partir, le danger va disparaître. Donc ils vont se remettre en mode normal. Ils vont réparer le nid. Ils vont réparer le nid, ils vont toucher la poudre et ils vont mourir. D'accord. Voilà. Bon, voilà. Les dédés, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Un petit pouce bleu, un petit commentaire. Merci et on beaucoup. Vous dit merci. À très bientôt. À très bientôt.